là, on prend direction département NIP. Nous pouvons aller sous tronçon en Savo à l'eau. Nous sommes pas trop longtemps depuis TNH, qui permet de suivre ou mise l'ensemble matériel qui est après le servi pour construction tronçon route ça. Maintenant, ce matériel est fini de mettre, il est de bon temps pour qu'on ait. Ce matériel est réglé, ça a fait avec matériel ça. Mais qui niveau de travail y est, puisque nous sommes dans le PSA, le ministre intérieur dans un moment a annoncé le travail, pas après le temps pour démarrer. Député circonscription Guerville, tu es même tout abondé dans le même sens là. Mais le week-end, Michel Joseph, tu es sous place, tu as le fourni regardé pour TNH, image au palais, on a suivi comment ça y est. C'est ça qui vient pour travail la construction à tronçon route en Savo, à notre département NIP. Moi-même, je suis capable de faire son travail qui était déjà inscrit dans le parcours président Jovenel, dans le parcours député Wilner Guerville, dans le parcours collectivité. Je dis que je suis capable de faire son fierté en tant que député, deuxième mandat, qui était député ensemble avec le président Matéli, côté Matéli, qui a commencé à me permettre de nous tirer en Savo dans la boue côté de l'IA. Je dis que en Savo, ou en ville en Savo, sont l'autre ville. Matéli, tu commences avec Anno, à 70% en fait. Je dis à Jovenel Vinpran, nous continuons à connecter en Savoie, Anno, à connecter Arno, l'asile vieux Boudakin. Je dis à Mabdou que moi-même je me sens très relax, très à l'aise parce que nous avons bataillé pour ça. Nous avons bataillé pour ça et le président Jovenel te garantit. Depuis de Guerville, nous avons bataillé, nous avons le résultat. Il te dit c'est route, c'est de l'eau, c'est électricité. Je dis à m'investir à tout moi-même, dans tout comme, pour me dire que je viens de faire le peuple, résultat, qui moi-même avec le président Jovenel, qui a demandé nous. Et je me sens le peuple là, content, et il remet ça, et nous dit, je pense là, je dis à même moi, mon qui est mort, je pense là, je vais me lever pour venir ça faire ça. Parce que depuis là, nous avons l'indépendance, c'est pour la première fois. Sous l'indépendance, sous et pouvoir, et nous faisons, nous mettons là, ensemble avec. Militants qui ban nous, moi-même avec le président Jovenel, nous dit c'est Raceta, nous n'avons pas de passer dans la boue encore. Je remercie le président et je remercie les députés. Caravane changement, ça a été pour nous parce que route sorti en Savo pour nous aider, on était chargé le délai pour nous. Côté tout le monde a plein, on a dit travail, ça n'a pas jamais fait. Mais je dis c'est purement réalité. Le travail là a fait. Et route là déjà, puis actuellement, pour l'attaque 3e section Morcou. Pour arriver à Monborga. C'est là que nous sommes actuellement, là où démarre le travail. Là. Travail en Savoie, nous avons fait une crasse, nous avons retiré, et nous avons fait basse qu'il y a tant pour remplir la route et faire l'autre travail sous le lit encore. Nous disons, président, merci pour la caravane, ça a été pour nous, en Savoie, nous, et spécialement la 3e section communale, nous, qui c'est mon coup, côté que pour paysans, nous avons fait la moue par une route. Les enfants enceintes à trancher pour l'hôpital, ils mourent. Et sous moto, en banque à reporter, mais actuellement, la route là, a démarré, tout le monde là, c'est la joie qui est content pour la route qui a démarré dans la 3e section communale. Nous disons merci, président, merci et travail là, nous avons demandé, nous-mêmes, Kazek, pour le président, faites des voiles. Caravane changement, nous avons fait un gros travail colossal. Et pour ça, tout, nous disons un gros coup de chapeau avec Jovenel, qui est président du pays. Nous voyons un gros coup de chapeau pour lui spécialement.
et nous saluons le député Solon, Villeneuve-Ville, et qui a aidé le gouvernement à avancer, qui a fait un travail colossal pour le pays. Et moi, je félicite le gouvernement en pile et je vous remercie de chapeau tout pour le travail. Le président a demandé pour que, dans 3 mois, pour que nous baillons 25 km de route, et c'est pour ça que nous travaillons arrache-pied pour que nous puissions arriver à bailler 25 km de route ça, dans 3 mois. Et ouais, nous avons commencé en Savo et nous avons déjà Arnaud. On nous dit nous traversons la ville Arnois, nous avons avancé pour nous aller à Morcou. Et c'est Morcou qui sont en phase qui est plus difficile, côté que grand pile monde, grand pile roche. Mais grâce à Dieu, il y a un mato piqueur qui là. Ça veut dire qu'avec mato piqueur, ça n'a pas arrivé et écraser roche pour que la route là capable de continuer pour aller côté à destination qui c'est Vieux Boudakin. Et nous avons continué le travail pour que nous atteignions l'objectif qui vise. Nous avons bien passé en dans la commune en Savo, en dans la commune en Noua. Le travail ça, qui vient de faire dans la communauté, là, je dois dire ça, c'est comme si c'est débloqué, la communauté a vient débloquer. C'est une sorte de changement qui vient porter à travers la communauté. Là. Parce que tout le monde qui était mourir longtemps parce qu'il n'y a pas de route, là, il est malade, là, lui pour diminuer. Même pour les gens, les gens font des mauvais choses qui sont dans la communauté, tant qu'on fait un zac, ça te empêche la police de faire travail, là, j'en ai dû faire là. Ça va faciliter la police, ça va faciliter l'autorité judiciaire pour faire travail, là, j'en ai dû faire là. On a bien passé, on a dit, président Jovenel, merci, parce que l'Ikembe est molle. L'Eldevin Arnaud, il te promet nous route. Il dit qu'il ne peut pas utiliser de l'eau, il dit qu'il ne peut pas utiliser l'air, il dit qu'il ne peut pas utiliser tout espace pour développer le pays. Nous commençons à dire merci parce que la caravane, pour l'instant, est en dedans à nous. Ça fait nous un pile plaisir. Nous disons président merci. Nous disons député Solon merci parce que nous, la caravane, le premier côté de vini, c'est la caille à nous. Nous disons merci pour ça. Depuis nous sommes dans un petit corridor. Un petit corridor où nous prenons la partie à bête. Au nom de Solon Guerville, au nom de Solon Guerville, à nos présidents, au nom de Pep Cavelio. Je suis content pile à pile à pile à pile. Je vais mettre la paix parce que si je suis malade, je vais aller à l'hôpital rapide. Rapide, rapide, je suis content. Mais dans la point de route, c'est pas bon pour nous. Travail et développement. La route est bon pour nous à pile. Et développement capacité dans la zone. La caille, la caille, c'est la caille noyée. La caille, moi, travaille. Et pas de maladie pour encadrer l'hôpital. Mais sinon, je ne vais pas aller. Nous apprécions ça en pile, nous contents, que nous contents. Tout le monde dans la zone est content. Et bel développement tout, pour qu'on fait dans la zone. Dis-nous comment la route la paye. Oui, la route la paye l'aide, mais quand la route la paye éclaircie, la bine belle. On a une belle bagaille. Est-ce qu'en Savo, tu mérites la route ça? Oui, tu mérites la pile. Oui, tu mérites. Nous te voulons, nous te voulons ça, nous t'a prié pour ça tout. Nous content de travailler ça, qu'on fait dans la route là, parce que. Nous avons été élevés, nous avons joué une route là, ça là, mais nous avons marché. À qui point nous avons marché fel. Mais je ne vous dis pas, c'est à la machine route pas nous à fait. Nous comptons en pile et nous remercions le gouvernement tout, qui travaille avec nous et puis nous crions bravo pour ça. Moi, ça fait bien pile d'abord. Pour moi, par contre, si l'autre chose, ça fait satisfait à travers le travail, ça fait la noix. Moi, je demande pour le continuer encore, pour le travailler encore, pour nous balancer encore. Depuis que moi connais et fait, et tout le monde a parlé de route en Savo, on ne savait pas jamais qu'il y a route du tout. Mais à nos jours, nous avons 6 jeunes qui ont fait ça, qui ont fait vraiment vrai, qui ont fait route en Savo pour entrer à nous. Et moi, je conseille qu'il y a un bel travail qui a fait là, et tout le public a apprécié la route là. Nous disons beaucoup de merci à chaque moment, parce que, pas bon ici, nous-mêmes, c'est nous qui avons fait dans la boue. Machine qu'on a fait n'importe 5, 6 jours dans la boue ici. Mais son bagage nous est pour le mieux, frère, l'envie par nous, pas bon ici. Parce que vous regardez pour eux, on tacte un pied bras dans Nicolas Rachel, dans Nicolas Lavel. Nous avons une belle merci pour le grand dérapement ça et qui m'a dit pour le dérapement continuer vers l'avant.
Voilà, nous sommes avec un monde savou à nous et pour travailler la construction de tronçon route là, nous avons matériel qui sous place. Parce que j'ai été souligné l'avant et l'image de dérivée, mais nous te permettons de distribution de matériel. Il faut que nous permettions de qui ça a réglé, qui ça a fait et dans quel niveau ça te dit, c'est ça qui a fait effectivement sur le terrain. Alors, on a continué de temps en temps pour passer, regarder qui travaille la construction. Son route en savo à Noa a avancé. On quitte à Noa en savo, mais on a toujours été dans NIP. Et là, nous prenons Chalon et dans Miragouane. Et Miragouane, c'est chef-lieu et département. Et pour nous regarder, qui j'ai fort, direction nationale d'eau potable à assainissement dîner pas pu faire par rapport avec un ensemble projet d'adduction d'eau potable pour Moun Chalon, mais tout pour tout le monde qui vivent dans le niveau Miragouane. Pas lié. L'idée, c'est de permettre mon route. L'idée, c'est de permettre mon accès à courant. L'idée, tout, c'est de permettre mon accès à de l'eau. L'an de grâce 2018, ça n'a pas de luxe encore. C'est à le normal pour que mon courant, mon de l'eau, mon de route. Mais au fait, c'est ça la réalité. Là, c'est ça qui fait le fondamental à ce que gagner. En plus, j'ai fort qui fait. Gagner et en plus, la disposition qui prend. Gagner, n'est-ce pas vrai, et bon engagement. Qui pourra effectivement pour que Mounio capable de profiter au maximum de services de base. Et de l'eau, vraiment, ils sont éléments pas capables de négliger. Alors, avec l'image qui arrive là, qui j'ai fort, dîner pas fait, toujours dans le cadre de caravane, bien entendu, pour faciliter la population miragouanaise, les gens vivent dans la zone Chalon, gagner accès à de l'eau, et travailler qui a avancé, alors, qui vient travailler. Et qui ça et dit n'est pas gagné à côté pour l'autre commune dans le département qui peut avoir accès à de l'eau potable, je vous dis. On a suivi tout ça en image avec un collaborateur nous, Michel Joseph, qui te font visite week-end ça pour TNH. Activité d'une va avant de reprendre, plus particulièrement dans le département NIP. Et je vais constater, nous avons dit pendant le caravane changement, pour un ensemble d'activités qui étaient déjà inscrits et qui avaient exécuté actuellement. Au niveau de Miragouane, nous avons eu un projet d'adduction pour nous ramener de l'eau jusqu'à Cité Marie-Victoire pour nous alimenter les réservoirs, pour nous desservir le monde Miragouane, le centre-ville Miragouane particulièrement, qui était déjà alimenté par Sous les Bois, mais actuellement qui a un peu le problème. Le travail ça a li en cours là et qui supposé fini nous t'a dit fin début juillet et fin juillet normalement pour ça t'a supposé fini et nous gain un dossier déjà que nous gain soumettre pour alimenter deuxième section Miragouane sous et Cafoumoussiac Babel Rivière et qui arrive jusqu'à Lomon et dossier ça gain t'aller dans BMPAD qui n'a pas cobla pour t'a supposé pas dîner pas pour démarrer projet. Nous avons un ensemble d'études de faisabilité qui lancé sur 5 localités déjà. Nous avons dit 3e section Miragouane qui est Savanari. Et puis nous avons une commune de Fondenec qui a une 2e section Miragouane et Fondenec qui est impliqué là-dedans. Qui a Bouzy, Duverger, qui a fait activité sur l'île. Nous avons une commune Payan qui cible actuellement une étude socio-économique qui a fait tout dans le cadre d'études de faisabilité qui sur le centre-ville de Payan. Et sur zone Salagnac, nous avons gardé qui s'en café pour nous permettre que les gens aient accès à de l'eau. Et nous sommes capables de dire tout, et nous avons 5 réseaux qui ont réhabilité avec l'apport de
financier des coopérations suisses qui dans cadre du projet Pipos, que non seulement n'a fait réhabiliter réseau, fait réparation fuite et fait ensemble pour augmenter production, hein, mais n'a pas agi sur qualité de l'eau à tout parce que gain on appareil que dit n'est pas et qui est ma fabrique là que n'a pas installé sur tout réseau pour nous permettre que tout l'eau cloué. Ça veut dire non seulement n'a pas agi sur production, hein, pour augmenter la quantité, hein, et n'a pas agi sur qualité à tout pour nous permettre que nous joignons de l'eau qui répond avec les besoins. Et Fondac a dit qu'un gros projet qui est lancé actuellement, étude l'a fait, ces documents projet qui finit, nous ça c'est pas le fini pour nous lancer marché. C'est un méga projet que le président a souhaité que vous nous alimenter 4 communes du département à partir de ce 10 barils qui est dans la commune en Savo, qui est pour Petit Loulonné, en Savo, Tirivière et Miragouane, et qui a même l'ambition pour nous arriver sur la commune Petit Gouap. Le projet en cours là jusqu'à présent. Nous avons APD, l'ENDI APD, c'est appel de flan, nous avons pour Baradère qui t'a supposé lancer et nous avons dit dans le début deuxième semestre 2018 là, Baradère est supposé lancer. En gros, son ensemble d'activités, alors pour nous citer que c'est là, donc nous sommes censés faire dans le département là et qui nous avons dit qu'il inscrit toujours dans le cadre qui est dans le président Jovenel là, qui baptise avec nos caravanes du changement. Travail ça c'est qui ça lié, c'est permettre que nous alimenter réservoir centre-ville Miragouane pour que nous capables bailler peuple centre-ville là et ses environs de l'eau pour au bois. Et faut nous que ce projet qui vient suite à une étude que nous fait pour un impact environnemental grave côté que population a misé à couper pied bois toute la journée toute la nuit peuple a coupé pied bois. Et c'est problème ça qui vient faire que nous avons l'autre source qui était les sources le bois qui était qu'on alimenter réservoir actuellement qui pas arrivé à alimenter réservoir. Maintenant je voulais vous dire et ça a chance pour nous de gagner l'autre source sac là qui c'est sous Chalon qui permet que n'a joindre opportunité l'autre opportunité pour que nous faire population joindre service là. Donc n'a pas avancé, nous gagne près de 8 km pour nous faire. Nous actuellement sur 5 km, presque 5 km et demi. Et nous va être nos objectifs, nous pas longtemps pour nous finir. L'activité a été démarrée, ça fait environ 5 mois. Et côté nous avons gagné pour nous poser environ 8 km tuyauterie. Nous avons avancé actuellement à 65%. Et nous avons avancé arrache-pied pour nous voir comment nous sommes capables d'arriver dans la ville Miragouane pour aider la population à jouer un service. Et que y a besoin. Parce qu'actuellement, il y a un problème qui est posé au niveau de la première source qui était alimentée, réservoir, qui commence à arriver. Et c'est le projet ça que nous avons marché pour nous arriver à joindre la communauté. Alors, en perspective, le travail, c'est calculé sur une durée de 6 mois. Mais nous avons une petite contrainte qui fait nous faire 2 mois de travail que nous avons travail. Et actuellement, nous redémarrer dans le mois d'avril là, et nous fixer nos objectifs d'ici fin juillet pour nous arriver à atteindre l'objectif que nous avons fixé, qui c'est permettre aux gens dans le centre-ville Miragouane de gagner de l'eau potable à caillou pour utiliser. Après avoir fini faire tout le travail d'irrigation, nous pensons que nous pouvons être efficaces en eau potable. Et nous attendons que nous ne pas mourir de malaria de, et l'autre maladie qui nous capable de boire, joindre les nappes de l'eau. C'est-à-dire, je pense que nous avons grand pile l'autre bagaille qui peut venir toujours, mais ce n'est pas un problème. Ça. Nous félicitons l'État haïtien, par le biais de Dinepa, qui a fait un travail colossal pour le peuple miragouanais, parce que nous, là, nous avons un problème de l'eau, mais malgré le centre-ville, là, nous avons toujours un problème de l'eau. Mais nous-mêmes, dans la première section, là, nous commençons à améliorer parce que nous avons un premier système qui passe déjà. Mais nous mettons l'autre système d'alimentation pour entrer dans le centre-ville. Là. Mais c'est moi, son bel travail que l'État a fait la pense avec nous. Nous n'avons pas fait un gros travail dans Miragouane parce que si tout côté nous est là dans Chalon, c'est un côté que nous avons pile problème de l'eau. Je ne dis pas par rapport au travail, nous n'avons pas commencé. Nous commençons à solutionner, nous n'avons pas de problème de l'eau dans Chalon. Et le travail ça la fait là, c'est pour Miragouane. Et Miragouane n'a pas gagné de l'eau tout.
Nous souhaitons que Dinepa continue avec le travail que l'a fait pour solutionner le département. Je suis content pour l'eau dans le Miagouane parce que Miagouane a plein pour l'eau en pile, même Dino. Et je travaille pour ça tout. Je vais mettre tête ensemble pour que nous capable de l'eau. C'est un bail que je tape chercher depuis longtemps pour que nous avons de l'eau. 24 sur 24. Thank you.